Cette musique, quand Emmanuel Béharcel, Manon Desurges, vous en souvenez hein? Manon, on se rappelle c'était Manon avec son harmonica. Exactement. Ah, il y a aussi évidemment la célèbre scène à la Maison Blanche, quand Hillary ouvre la porte au moment où il ne faut pas, où elle voit Bill Clinton. Elle ne jouait pas d'harmonica. Elle est en train de jouer de l'harmonica. Ça peut être une forme d'art. Vous avez joué de l'harmonica, Christine? Pour les jaguars. Mais pourquoi les jaguars viennent près de ta maison? Parce que là, c'est glopant. Ils pensent que c'est une femelle en chaleur. J'habite à côté de la réserve. Ah, ça sent la viande faisandée. Mais oui, donc moi, je suis incognito au Mexique. Mais t'es sûr que c'est l'harmonica que vous les fait faire ou c'est juste le sort? Oui, c'est le bruit. Elle met les chaussures Puma pour les attirer. N'importe quel bruit, mais l'harmonica, voilà. On a tous essayé de jouer à l'harmonica. J'ai en tout cas l'extrait de Jean de Florette. Écoutez l'harmonica, Jean de Florette. Vous n'êtes pas de cette femme quand même. Et qui veut mon temps et d'ailleurs quand il est au malin, je te veux demain que je pourrais me pleurer. Je suis au fan d'une pire. La galinette. Avec les glaïoles, qui cultivent des glaïoles. Mais l'harmonica, c'est quand Galinette, tu veux que je te montre mes glaïoles? Oh là là, elle était belle ma fille. Et pas sûr que ce soit d'harmonica. Non, c'est du hautbois. Ça c'est pour les questions sur le bois, oui, c'est après. Ça c'est du hautbois. Ça hein. J'en joue, mais pour les biches. Tu... 15h30, 18h, les grands moments des grosses têtes sur RTL. Dans un instant, nous rendons la suite des grands moments de grosses têtes. Et n'oubliez pas le podcast de Julien Courbet, ça peut vous arriver, avec les règles d'or. Chaque samedi, l'une des avocates s'attaque à une situation qui peut vous arriver. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de la trottinette. Que faire si je suis victime d'un accident? La réponse est dans le podcast sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Cet après-midi, ils n'avaient jamais... These people in York are worried about the impact of the strikes. The government put in, say, £16 billion of our money to keep the railways running during the pandemic. They're moaning because they're not getting a big... Et puis dans ce contexte de canicule, 25 000 habitants de Châteauroux ne peuvent pas boire l'eau du robinet. Le maire de la ville l'a interdit aujourd'hui en raison d'une contamination à la bactérie. Un poco de cansancio en torno a Ucrania, pero tenemos que entender que simplemente... Tirare il tutto
parisien et sur le littoral atlantique, la chaleur est également moins présente avec un ciel nuageux. Sur la Nouvelle-Aquitaine et le centre, après une matinée ensoleillée, le temps deviendra orageux et ces orages se déplaceront ensuite vers l'Île-de-France et le Grand Est, et puis sur tout le reste de l'Est du pays et sur l'Occitanie, le ciel